je me présente Didier Zanon, auteur jeunesse, traducteur de l'italien, et j'anime également des ateliers d'écriture dans les écoles. Un de mes derniers livres traduits, Le voyage de Darwin de Giacomo Scarpelli, est sélectionné cette année au prix des Incorruptibles. J'écris beaucoup de recueils de poésie, en voici un exemple aux éditions du Jasmin, un livre qui s'intitule Nos jeux d'enfants sont des poèmes et qui s'adresse aux enfants à partir de 9-10 ans. Enfin, mon dernier livre traduit, et qui est paru pendant la crise du Covid-19, s'intitule « Et parfois, ils reviennent ». C'est un livre aux éditions Sarbacane, illustré par l'immense illustrateur italien Maurizio Acequarello. Ce livre est un recueil de 8 nouvelles de fantômes qui ont été choisies chez les meilleurs auteurs mondiaux du genre, comme Oscar Wilde ou Edgar Allan Poe. Donc j'espère, je vous invite à le lire, à le découvrir. C'est un livre qui devrait vous faire frémir de peur, je l'espère. Donc je vous souhaite une bonne lecture. Merci.